Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule eh bien, pour vous parler de l'archange Métatron, mais vraiment en deux mots, n'est-ce pas? Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin. Et en réalité, Métatron et son frère jumeau, Sandalmon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien Métatron a vécu sur terre comme Sandalmon. Grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous, humains, nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet ainsi de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de l'archange Métatron est le vert foncé. Alors là, je vais vous citer une prière avec l'archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient et n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain.
de mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie avec toute ma gratitude. Beau matin à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine et nous entamons le mois de mai. Alors le mois de mai, c'est relatif au muguet, n'est-ce pas, en début de mois. Nous sommes lundi 2 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé un très joli week-end. Alors oui, le muguet, voilà, moi j'ai ma maison remplie de muguet parce que bon, hier c'était mon anniversaire, donc j'ai eu beaucoup de muguet, donc ça sent très bon le muguet et c'est une fleur que j'aime beaucoup et qu'on ne retrouve pas toute l'année, donc il faut vraiment profiter, hein, de cette odeur de muguet. Alors cette semaine, eh bien, nous allons commencer cette semaine avec l'archange Métatron. L'archange Métatron, ce bel archange avec son frère jumeau Sandalmon, ils ont été tous les deux humains, n'est-ce pas? Et on terminera avec l'énergie de guérison. Avant de commencer, eh bien, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai, eh bien, le plus. Et j'ai pigé aujourd'hui, retrouver le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie. Et cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a une nouvelle énergie qui vous aidera à prendre conscience de votre plan divin. Vous êtes presque arrivé à votre but, mais pour certains d'entre vous, il vous manque la confiance en vous. Votre plan divin est la source de votre âme et de sa venue sur terre. Et dans cette belle énergie universelle où résonne chaque cellule de votre corps physique et chaque atome de votre corps éthérique, vous devez apprendre à apprécier votre chemin, vos expériences, vos erreurs et les nombreuses fois où vous avez dû recommencer. Car cela vous enseigne une précieuse leçon. La vie telle que vous l'avez imaginée, eh bien, n'est pas la réalité. Et vous savez ce qu'est la réalité de votre âme. C'est votre plan divin et maintenant, eh bien, on vous demande de recommencer à zéro, retrouver foi en vous et tout ira pour le mieux.
On vous demande d'avoir confiance en vous. Posez-vous les bonnes questions. Et cessez de tourner en rond. Ce que vous êtes à l'intérieur, vous l'attirez. Certaines de vos capacités psychiques sont enfouies en vous et vous avez peur de les éveiller. Pourquoi avez-vous tellement peur? Au lieu d'avoir peur, apprivoisez-les doucement, accueillez-les doucement pour pouvoir les laisser partir. Si maintenant vous les mettez dans un tiroir et que vous fermez ce tiroir, votre mal-être, il est toujours là. Vous êtes dans une période très intuitive. Et alors cette carte, elle vient vous dire d'aller de l'avant. Allez de l'avant, n'ayez pas peur. Vous avez une mission ici sur Terre. On a toutes et tous une mission. C'est juste prendre les bons chemins. Waouh, quel beau message de l'archange Métatron, n'est-ce pas? On termine avec l'énergie de guérison et j'ai pigé, confié au Créateur. Je calme mes pensées et je m'élève au-delà de la peur. Je me libère de tout doute en confiant au Créateur toute parcelle de noirceur. J'ai foi en la vie et j'ai la certitude que le Créateur saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je m'en remets à sa volonté, je retrouve la liberté. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas, avec la carte de ce jour. Je terminerai, moi, personnellement, mets de la lumière dans ta vie. Sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Merci l'univers. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message de notre bel archange Métatron. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien, à demain.